recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à Sepel Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion, les bakou malam, dans l'expression, dans la forme. Quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder sur vos petits écrans? Quand on vient ici, on a l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Notre manière de partager ces choses avec vous. Je m'appelle Claude Rouloura, je suis journaliste, initiateur de cette chaîne qui s'appelle Télévision. Amoureux de la République démocratique du Congo et malheureux, très très malheureux, souffrant au plus profond de lui, de voir la situation catastrophique, alors très très catastrophique dans laquelle est plongé ce pays avec toutes les potentialités. Il y a Mboka, toutes les richesses qui sont les nôtres, on ne peut nullement se retrouver au panthéon des pays pauvres avec un peuple meurtri, un peuple affamé, qui souffre énormément, un peuple qui manque l'eau, alors que nous avons des ressources énormes, alors énormes en termes d'eau douce du monde. Nous avons les potentialités pour électrifier pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Nous avons des milliers de terres arables chez nous, mais nous souffrons, nous manquons un peu de tout. J'ai vu que même l'huile des palmes que nous utilisons au Congo, les gens l'importent de la Malaisie. Nous importons même l'huile des palmes. C'est très compliqué. Le riz, ils ont à Chine, ils ont à l'Indonésie. Alors qu'à l'époque, nous avions des. Au Babenga, l'eau soit Bumba. N'est-ce pas, t'es sur les Alagaka. Bah, tu vas coller la chasse, est-ce que vous avez l'eau soit Bumba. L'eau soit Bumba, non, lié à Nabouma, Naboyagi. Oh là là. Bah, nous avons l'eau soit Bumba. C'était Yaina Goumous. Mboko ezoko kende chaque jour tozo poussana vers les boulous. Chaque jour tozo poussana vers les boulous. Donc c'est comme si boli misangai à chaque tongo soketani to poussani sou pemen na cimetière. Soki okenda Congo, olongwe Congo na 2020. Ozori na 2021, okutie baby. Olongwe na 2021, ozori na 2022. Alors que Nabambo, comme sous au côté, oh, c'est magnifique, ça je ne l'avais pas laissé, ça on a construit, ça on a fait ceci. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Bon, bah, Kenaga va battre Bakuluna, Bakuta Bakuluna, bon, Kenaga va battre Bamotar, tous les voyous, oui, voilà, qui font vraiment. C'est du banditisme que ces jeunes gens font aujourd'hui. C'est pratiquement du banditisme urbain. La délinquance routière. C'est des délinquants qui descendent sur nos routes, sur nos chaussées, sans aucun respect des principes. Il se règle même des comptes à Salisso, à accident, mais à Tumbi Mutukanayo. C'est des hors la loi au Rolobané Nini. Et en plus, ils considèrent que c'est leur pouvoir à l'Obano Chiluba. Oui, Bouguenamukana, oui, tout ça. Et au-dessus de tout ça, vous avez une comédie. Alors, il y a Jamel Debbouze Koutezabien. Il y a Baron Sarr, il y a celui que je suis aussi. Il y a Saï Saï. Il y a une comédie, c'est encore bien. Mais là, vous avez une comédie qui est installée au sommet du pays, qui gère la République de la manière la plus irresponsable que le Congo n'a jamais connue. Et chaque matin, chaque jour, quand on se lève, on est au bord du précipice, on est presque dedans. Tosi ba chibiso na libulu, ye azisikoyo, pa wazo linga kunda. Et ma responsabilité, mon rôle comme un patriote,
c'est d'alerter et de dire, chers frères, chères sœurs, nous allons perdre ce pays-là. Nous avons l'obligation de nous mettre debout, chacun en ce qui les concerne. Chacun doit apporter sa pierre de contribution pour que nous arrêtions ce cancer qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, qui commence de plus en plus à se métastaser et ça risque d'être trop tard. Il va falloir prendre ce cancer, couper ça, donc il faut qu'on kata yango. Félix est véritablement un cancer, plus on les laisse au pouvoir, plus le cancer se métastase, plus métastase et à cancer, ils ont touché mon organe vitonio surtout dans nos autres, plus donc, ces messieurs, chaque minute qu'ils passent au sommet de ce pays est un danger. C'est véritablement un cancer. Et les médecins vous les diront, lorsqu'il y a un cancer, il faut intervenir vite. Félix est un cancer et le rôle de tous les Congolais consciencieux, c'est de se lever pour couper ces cancers-là, le jeter dans le feu. Alors ça peut prendre la forme que ça prend, j'assume tout, je sais ce que j'ai fait et je l'assume. Je reçois des méchancetés, je reçois des tonnes d'appels, d'insultes. Non mais, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui m'a dit, mais ce que tu fais là c'est plus du journalisme. J'ai dit, mais tu discutes pourquoi? Ok, c'est plus du journalisme, donne ça le nom que tu veux. Comme c'est plus du journalisme, donne ça le nom que toi tu voudras. Oh, c'est la haine. J'ai dit, oui, c'est la haine. Oui, donne ça le nom de la haine. Ah, mais Pierrot, tu es extrémiste. Tu as un problème avec... J'ai dit, oui. Si c'est pour toi, c'est de l'extrémisme. Donne ça le nom de l'extrémisme. Ah, tu exagères. Ah, si c'est pour toi, c'est de l'exagération. Donne ça le nom. Nassambat, hein? Tous les noms que vous donnerez, et vous me donnerez, et vous donnerez à ce que j'ai fait, j'assume. Dès lors que moi, j'ai ma boussole, je comprends que la République est en danger et que nous devons nous lever, nous tous. Je me lève et j'écris. J'ai toujours pris cet exemple-là que j'ai lu dans un ouvrage de quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai déjà partagé ça avec vous, le professeur Pierre Nsana. Son ouvrage, je crois que le journalisme en construction, ouais, quelque chose comme ça, le nom va revenir. Alors, il illustre quelque chose pour expliquer que le journalisme n'est pas un métier figé, mais c'est un métier qui se développe. Et lui, il pense que les modèles, les bornes du journalisme sont des bornes qui peuvent se déplacer. Il dit par exemple qu'il a fait face à un journaliste, c'est qu'on appelait à l'époque journaliste engagé, journaliste, qui lui dit, mais ça c'est pas du journalisme. Le garçon lui a donné un exemple, patent, il lui dit, écoute, je suis reporter. J'ai ma caméra et mon micro, j'arrive au bord du fleuve, je suis en train de faire un reportage sur les vacanciers et je trouve qu'il y a un garçon de 2 ans en train de se noyer. Mon rôle de journaliste, c'est quoi? C'est de filmer sa noyade et à 20h d'aller montrer à la télévision et dire, écoutez, aujourd'hui à 20h à tel endroit, un garçon de 2 ans qui a échappé au contrôle de ses parents s'est noyé. Ou mon rôle, c'est de prendre la caméra et de déposer, d'aller sauver ces garçons-là. Si je filme sa noyade et que j'amène dans ma rédaction, j'ai fait un grand scoop. C'est ça être un bon journaliste. Mais si ces garçons-là, j'ai la possibilité de les sauver, je peux déposer ma caméra, je vais prendre le garçon. J'ai aussi, c'est du journalisme, c'est aussi l'humain. Le Congo est en train de se noyer. Le Congo se trouve dans cette situation-là. Les règles, les ceci, doivent tous concourir à aller sauver le pays. Et moi, je ne discute plus. Ah, mais tu as un ton dur. Oui, j'ai un ton dur. Ah, mais tu es tendre. Oui, j'ai tendre. Donc, quelle que soit la forme que vous allez donner, j'assume ça. Donc, Tosambati, extrémiste, je le suis. Haineux, je le suis. Tout ce que vous voulez, je le suis. Mais je pense que pour le bien du Congo, pour le bien de nous tous, pour l'avenir de mon pays, pour l'avenir de nos enfants, jamais, pour l'avenir de mes petits-enfants, je pense que ce cancer qui s'appelle El Mutengeleka doit être extirpé et très vite. Au risque de perdre ce pays, au risque que les générations futures nous posent la question de savoir vous étiez où. Je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité. Je m'élève pour vous dire, chers frères, chères sœurs, nous avons un problème à la tête de pays. Il faut qu'on chasse cette aventure à laquelle on assiste au sommet de notre pays. C'est ce que j'ai fait. Après, ils ont la possibilité de dire ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Donc, bienvenue à vous tous.
Nous sommes jeudi aujourd'hui et c'est la première émission. J'espère que j'en aurai peut-être une autre avant la fin de la semaine. Ça me fera deux ou trois émissions. On va voir. Comme je vous ai toujours dit, la volonté c'est de faire des émissions tout le temps, mais la possibilité n'est pas là. Donc supportez, comprenez ça comme ça. La volonté y est, mais la possibilité n'est pas. Et je vous ai toujours rappelé que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Merci à vous tous pour vos messages. Merci à vous tous pour vos encouragements. C'est des choses qui me touchent et énormément et qui me permettent de rester debout et d'avancer dans le travail difficile. Je vous dis que c'est un travail difficile que nous faisons. Mais les vrais hommes se découvrent en escamotant les difficultés. Quand il y a des épreuves et qu'on va vers ces épreuves-là, on les affronte et on arrive à les vaincre, on peut lever les mains et dire que je suis un homme. Et nous devons vaincre le cancer El Moutengeleka qui est à la tête de notre pays. Nous devons travailler pour vous réveiller, vous tous, pour que la conscience collective arrive et que nous puissions chasser cet homme. Allez, deux, trois choses avant de commencer cette émission. La première, je voudrais vous dire, vous tous et vous toutes, de pouvoir vous abonner. Nous sommes à 104 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est énorme et je voudrais vraiment la main sur le cœur vous dire merci pour ça. Mais continuez encore à le faire, continuez encore à vous abonner. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de le faire. Et ça me fera beaucoup de bien, ça me fera énormément plaisir. La deuxième chose que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo, aimer cette vidéo, je vous en prie. Et partagez-la pour nous mettre à l'abri des actes de malfaisance. Yaba Dongolomi Soyo, Bakoulukaba Sinele, Bamatabakita. La troisième, c'est d'appeler notre amie Judith Londole, Betoko, Betokos, Betoko Lilo, Molati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire, t'es très très privilégiée. Elle est patronne d'une boutique d'habillement qui s'appelle la Londoloise. Elle vend des habits des hommes. Si vous voulez donc vous habiller de manière chic et extraordinaire, veste, chaussures, cravate, chemise, n'hésitez pas. Appelez donc Judith Londole, Betoko, Betokos, Betoko Lilo. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Vous pouvez donc joindre Judith sur plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de Judith Londole, Betoko. En passant, la chemise que je porte aujourd'hui, c'est aussi la marque Londoloise et même la montre. Si l'une ou l'autre vous plaît, vous pouvez évidemment appeler notre partenaire au numéro que je viens de vous donner. Retour sur ces plateaux. Je viens parler un peu des ces jeux de ping-pong, des pasteurs politiciens, ces aventuriers en col pastoral, qui sont nombreux derrière l'argent, qui sont en train de escroquer, d'arnaquer le peuple de Dieu. Et maintenant que nous avons les élections, vous les verrez de plus en plus. Je parle des ces faux pasteurs, j'avais d'ailleurs promis de revenir, que Ngeleka utilise aujourd'hui contre certains de ses concurrents. J'ai tenté de mettre certains à nu dans l'émission d'aujourd'hui. Je reviendrai sur l'élection avec les combats de Mukwege, mais aussi sur les manœuvres, les ordres qui ont été donnés à la Cour constitutionnelle pour écarter certains candidats. Vous allez voir, si rien n'est fait avant la publication, lors de la publication des résultats, des candidats seront totalement débarqués. Je vous dirai quelques noms des candidats qui sont déjà buffés sur la liste et qu'on apprête à écarter. Et je parlerai de la situation sécuritaire, de la panique. Après la sortie du général John Numbi, tout en espérant qu'on aura le temps pour évoquer deux, trois autres choses. Mais avant de commencer cette émission, je voulais rendre hommage à un homme. Je voulais vous informer que un des hommes les plus atypiques que j'ai rencontré dans ma carrière est décédé. Il s'agit donc de Nemanda Nsemi. Nemanda Nsemi est décédé hier, aux alentours des 11h. J'ai fait des émissions, plusieurs avec. J'en vois d'ailleurs qui cartonnent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Suivez juste ce petit extrait d'une émission. Je parlerai en 2 minutes de Nemanda Nsemi. On va passer pour dire autre chose. Regardez cette émission, cet extrait que j'ai vu
les gens partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve après. C'est court, je demanderai à nos amis de doubler seulement pour vous permettre vraiment de capter. Et on se retrouve après. Suivant d'abord. La diaspora congolaise, la foutaise. Même pas des fleurs. Vous voyez des fleurs là? Moi, je connais la parole de fleurs. Un bouquet de fleurs, ça me ferait content. Donc les voués mal, les... Rien, rien. Personne ne m'a donné un cadeau. Personne. Aucun mot. J'ai écrit à Lélia, zéro. Magalesi, un milliardaire Mouyombe, zéro. Kinduelo, zéro. Aucun mot. J'ai fêté mon anniversaire. Aucun cadeau. Il n'y a que mes enfants qui m'ont donné des cadeaux. Pas de bagou. La diaspora congolaise, la foutaise. Même pas des fleurs. Vous voyez des fleurs là? Moi, je connais la parole de fleurs. Un bouquet de fleurs, ça me ferait content. Donc les voués mal, les... Rien, rien. Personne ne m'a donné un cadeau. Personne. Aucun mot. J'ai écrit à Lélia, zéro. Magalesi, un milliardaire Mouyombe, zéro. Kinduelo, zéro. De retour sur ce plateau. Aucun mot. Ça, c'est... Est-ce que c'était la dernière émission? Non, je crois pas. Et après celle-ci, j'ai fait d'autres. Oui, j'avais fait. Nemandantse Mi est donc décédé hier. C'est un homme que je rencontrais pour la première fois quand j'ai travaillé encore à Digital et je faisais une émission qui s'appelait Chemin de la vérité, Batoubayebi Bayebi. C'était une émission qui traitait des questions de la foi qui avait quand même un peu de succès à Kinshasa. Et un matin, je me dis, on va aller faire une émission avec Nemandantse Mi. Je vous dis que dans ma rédaction à Digital, les gens disaient, oh non, mais comment tu peux aller là-bas? C'est un gourou, c'est un sorcier, c'est un... C'était pas facile d'abord de convaincre Digital à l'époque, les amis, Didier Lukunku qui a toujours été un ami, un réalisateur que j'ai travaillé avec lequel j'ai travaillé plusieurs années durant, un grand ami à moi, Didier Lukunku, qui a d'ailleurs perdu sa nièce Sandra Nzengi à Lubumbashi, qu'on a enterré ce week-end. Didier et toute la famille, je voudrais ici profiter de l'occasion pour vous présenter mes condoléances les plus émues et les plus attristées. Désolé, je suis pas à Kinshasa. Tu sais que si j'étais là, je serais vraiment... Ça, c'est ma famille. Sandra, c'est ma nièce. C'est quelqu'un que je connais très bien. Alors, les Didier, les amis hésitaient pour y aller. Je dis, mais attends, attendez, on va aller chez le Mandat. Alors, je suis arrivé dans son bunker, là, dans sa maison assez atypique comme lui. La première impression, c'est que c'est un homme qui vous paraît réfléchi avant que vous ouvriez la caméra. C'est-à-dire, il est là, il vous écoute, il fait semblant. Mais une fois que la caméra est lancée, c'est comme si c'est une bête de scène qui rentre dans l'arène et qui vous intimide. Moi, j'ai fait des émissions avec lui. Il disait, je vais te gifler, toi. Hein? Tu me poses cette question, je vais te chasser. Et bon, après, les gens m'ont toujours posé la question, comment j'ai réussi à m'entendre avec lui et comment j'arrivais toujours à garder mon calme et à canaliser l'émission. Donc, c'est parmi les émissions qui étaient très suivies à l'époque quand je faisais des émissions avec le monde entier. Il est décédé, donc paix à son âme. J'ai parlé avec sa famille et ses proches hier. Ils m'ont laissé entendre qu'il avait fait un malaise avant-hier la nuit. On l'a amené au centre Nganda, à l'hôpital centre Nganda. Et le lendemain, il a vomi toute la matinée aux alentours des 11h midi. Il a donc rendu l'âme. Mais on m'a également dit que le monde entier était déjà faible. Il s'était affaibli parce qu'il y a quelques temps, il avait fait un AVC auquel il s'est remetté. Il était suivi. Donc, mais cet AVC-là l'avait quand même sensiblement affaibli. Et que bon, avant-hier, il a fait ses malaises. On l'amène à l'hôpital. Il est donc décédé à l'âge de 77 ans. Aucun programme n'est encore établi. Il y a quelques petits problèmes dans son groupe, les Bundu Diamayala. Il y a eu des problèmes avec sa nouvelle femme, Yaya Lubondo, tout ça. Ça créait un peu trop de problèmes. Et j'ai parlé avec le secrétaire général de son parti qui m'a dit qu'aucun programme n'est encore établi. Les gens voudraient en profiter pour qu'on l'enterre en paix, pour que toutes les factions, les familles qui se sont déchirées pendant la fin de sa vie, se mettent d'accord pour essayer d'organiser des obsèques dignes de son rang et de lui permettre d'aller se reposer en paix. Donc l'information, je le confirme, Nemandantse Mi est donc décédé. Parlant justement des hommes des églises, soi-disant, j'ai vu Godin Poy être reçu par Peter Kazati. Avant de vous dire le détail de ce qui s'est passé, je voudrais ici saluer Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi.
Les gens disent que Asalamabe, Olobi Mabe. Asalamalamu, Olobi Mabe. Ngeleka Helmuth, chancelier de l'Allemagne d'Afrique, nous avait promis qu'il va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Bravo à Helmuth, parce que nous avons vu que le Congo s'est transformé en Allemagne d'Afrique. Et je vous présente le premier Allemand d'Afrique des pères et des mères. Le Tchokovar, regardez. L'homme s'est transformé, Bandeko. Voici le Michael Jackson de l'Allemagne d'Afrique. Peter Kazadi, l'ambassadeur de la Tchokovaki en Allemagne d'Afrique. Le Tchokovar, Peter Kazadi. Bandeko, Botala, Lilala et Kosa. Botala, Tata Oyo. Ministre de l'Intérieur, niveau ya Tchoko Yaboye. Le premier Allemand de l'Afrique, Yohana. Quand Félix vous a dit que le Congo sera transformé en Allemagne d'Afrique, nous qui doutions, la preuve elle est là. Allemand de père et de mère. Le premier Allemand de l'Allemagne d'Afrique, de père et de mère, Yewana. Peter Kazadi, les Tchokovars, les prix Nobel de l'hydroquinone. Le Michael Jackson de l'Allemagne d'Afrique. Le Ndundu le plus célèbre de l'Allemagne d'Afrique. Le Nobel, donc, Asangisi, Zazu, Movat, Ambi, tout ça. Les gens me disent, mais non, mais Perrault, tu te rabaisses. Comment tu peux quitter le champ politique pour aller parler de quelqu'un sur le plan physique? Je ne dis pas, non. Ce que nous représentons physiquement est aussi l'état de notre âme. Quand vous avez un pays en guerre, quand vous avez un pays où les sécurités bas sont pleines, vous avez une ville de Kinshasa déchirée par les Kuluna, des enlèvements, et que le patron de la sécurité affiche le visage d'un Tchokovar comme ça, c'est-à-dire, je montre au pays, je montre aux Congolais que vous ne pouvez pas compter sur un tel homme, qu'il y a déjà des problèmes de personnalité, qu'il y a des problèmes d'acceptation. Quand quelqu'un ne s'accepte pas, il passe son temps à te dépigmenter la peau comme il est en train de le faire. Vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, journaliste, de ne pas en parler. Je reçois des critiques de toute nature. Ah non, mais tu vois, là tu l'attaques sur le plan physique. Attendez les amis. C'est le ministre de l'Intérieur. Quelle est l'image qui dégage? On sait que Tchoko, ce sont des gens d'une certaine manière qui ont un problème de personnalité. Comment un ministre peut passer son temps à Télisanzoto Boye? À Télisanzoto Boye, Tchoko ya niveau yo Boye. Michael Jackson est Allemagne d'Afrique, Yohan. Ici, j'ai dit dans une de mes publications, Papa Simon Kimbangu, le prophète, avait dit Motomoïndo Akoko Mamundele à son temps. L'homme noir, le noir deviendra blanc. Tobete la papa Simon Kimbangu Maboko. Voilà la prophétie qui se réalise. Le prophète Simon Kimbangu avait dit, le noir deviendra blanc. Voici le premier noir, le premier citoyen de l'Allemagne d'Afrique qui a concrétisé la prophétie de Simon Kimbangu. Le Tchokovar, l'ambassadeur de la Tchokovaki en Allemagne d'Afrique, Peter Kazadi, Lilala, Ndundu National, Yewana. Michael Jackson est Nabiso à Congo. Et il a la casquette du ministre et les types que vous voyez là. Choko yako sakana nangote. Yewana. Prophétie à papa Simon qui m'a recoquissé. Tozos de la ya Roland Dalo. Roland Dalo à l'Oba qui avant l'élection. Moutou candidat moko koufa. Candidat moko comme en a vélo. Ya papa Simon et kokisami. Papa Simon qui m'a l'Oba qui le noir deviendra blanc. Chokovar Yewana, Alongona no akomipem. Roland Dalo, nous te regardons. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais observez, écrivez et attendez. Toza Kozela, on reconnaît le prophète par l'accomplissement de ses prédictions et de ses prophéties. Roland Dalo avait dit qu'avant les élections, un candidat sérieux, Akobukana Makolo, un candidat sérieux va mourir. Les élections, en principe, doivent avoir lieu au mois de décembre. Et si elles ont lieu au moins de 2 mois, tu as zimile. Tokoye, parce que Roland Dalo a lié prophète à solo, toi lié prophète à l'okuta. Mais entre-temps, il y a papa Simon Kimbangu quand même, il y a un roi de Kokisami. Tokomi na Michael Jackson, Nabiso, tobeteli Michael Jackson, Maboko.
le premier Allemand de l'Allemagne d'Afrique, Johanna, le Tchokovar. Le Tchokovar a réuni hier dans son cabinet de travail Godin Poy, Gentilin Gobila et le bureau de l'Assemblée provinciale. Mes chers frères, c'est inacceptable ce qui se passe dans ce pays. Vous ne pouvez rien entendre de ces aventuriers qui sont au sommet du pays. Godin Poy, Betani Makofina, Gentilin Gobila devant le ministre de l'Intérieur. Godin Poy. Un ministre sans charisme, sans personnalité, mes chers frères, qui invite les différents camps, babouni na misounaye, aucun respect pour la hiérarchie. Je parle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. S'il faut qu'on tient Tchoko, Peter Kazadeza Makasina Tchoko, mais pour gérer la République, regardez. Moi, j'ai été 2 ans durant conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai été coordonnateur de la cellule de communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je connais l'importance du ministre de l'Intérieur. Et je vous ai toujours cité les noms. Prenez les gens qui étaient là comme ministres. Vous allez vous rendre compte que ce sont des aventuriers qui sont au sommet du pays. À l'époque de Kabila, il y avait qui comme ministre? Il y avait qui comme ministre au niveau de l'Intérieur? Il y avait le général Denis Kaloumé Numbi. Il y avait le professeur Luma Numulenda Bonansefou. Il y avait le vieux Richard, l'ancien gouverneur de la province du Lualaba. Richard Munguez, Richard Mouyej Manguez Mans. Il y a eu le professeur Évariste Boshab Mabounch Mabileng. Il y a eu le professeur Emmanuel Ramazani Chadari. Il y a eu le professeur Henri Movasakani. Talaba tête à Batobautikuna. Lorsque le fils de la malédiction arrive, Helmut Ngeleka prend le pouvoir. Son tout premier vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, le plus incompétent, l'incompétence dans son expression la plus éloquente, c'était ce type-là. Ce type-là. Gilbert Kankonde. Aucun gouverneur ne les respectait. Moi, j'étais au ministère de l'Intérieur. Quand on envoyait le télégramme à un gouverneur, il tremblotait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, il a pris Gilbert Kankonde. Il a commencé à Konukaba Mbongo, Basamilawa, Basengamila. Aucun gouverneur n'a respecté Gilbert Kankonde. Il a étalé sur la place publique son incompétence. Le jour où je l'ai dit, j'ai dit que le ministre de l'Intérieur était incompétent. Il a envoyé les gens pour m'arrêter, même à la police judiciaire, la police criminelle. On m'a arrêté là-bas. Parce que j'avais dit, élément à l'appui, que Gilbert Kankonde était un incompétent. Il enlève Gilbert Kankonde. Il va aller prendre cet autre nanyoyo. Un autre incompétent qui a créé des désordres là-bas. Toujours Barou Batoyi de Pes. Si quoi, l'ongoli, aïko tcha Tchokovar. Tchokovar, Michael Jackson de l'Allemagne d'Afrique, a invité Godin Poy et Gentilin Gobila. Parce que vous savez que les deux sont en train de se battre. Si Ngobila et Godin Poy n'ont pas respecté Helmut Ngeleka, je vous ai révélé ici que Ngeleka a organisé une tripartite. Godin Poy, Gentilin Gobila et Gekoko. Il leur a dit: arrêtez vos guéguerres, allez travailler. Mais personne de ces trois-là n'a respecté. Ils sont sortis du bureau de Helmut Ngeleka. Ils continuent à se battre. Si ces gens n'ont pas respecté Helmut Ngeleka lui-même, est-ce qu'ils vont respecter ces Michael Jackson et Nani Oyo, les Tchokovars? Ils ne vont pas le respecter. Le Tchokovar a ouvert la réunion. Les deux ont commencé à parler. Et le vice-ministre, le vice-président de l'Assemblée provinciale a pris la parole pour dire non, Mokofan de Sabiswate. La personne qui est à côté ici a détourné les IPR. Les impôts sur les revenus des députés provinciaux ont été détournés par Godin Poy. Il a endetté l'Assemblée provinciale. Il a détourné les émoluments pendant une année de l'honorable Mike Mukebay. Mais nous aussi, on va s'entendre comment et qu'est-ce qu'on va aller. Godin Poy dit tu mettre. Allez, ouh, l'ICOFI.
Simba, Simba, et Simba, Kabola, Kabola, Kabola. C'est parti dans tous les sens, côté Gentili Ngobila, côté Ogoden Poy. Babouni na bureau, il y a Tchokovar. Le Tchokovar, le Michael Jackson de l'Allemagne d'Afrique, était incapable de partager Batouana, ministre de l'Intérieur. Convoque une réunion, dans son cabinet, devant lui, les gens se permettent de se battre. Qu'est-ce que ces gens peuvent vous amener, chers compatriotes? Qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens qui n'ont aucun charisme? Les gens qui ne reçoivent aucun respect de la part de leurs subalternes comme les Tchokovars ici. Et le Tchokovar a décidé de reporter la réunion. Oh bon, le col est commis à Boué, va reporter la réunion. Entre-temps, il a fermé l'Assemblée provinciale. J'étais ici avec vous à Kinshasa, quand on était à Kinshasa. Le même Tchokovar ici, le même Ngeleka Elmout, il s'en prenait à Kabila et à Emmanuel Ramazani Shadari lorsqu'il fermait les assemblées provinciales. Lorsque Shadari arrêtait les gouverneurs, Bakébakitizi gouverneur d'avion. Lorsque Shadari donnait des ordres pour qu'on ferme les assemblées provinciales, l'UDPS nous disait sur pied de quel article, sur pied de quelle loi le gouvernement national a-t-il le droit de pouvoir fermer les assemblées provinciales qui sont des institutions à part entière? Mais sur base de quel principe, sur base de quel article, le ministre de l'Intérieur va commencer à fermer les assemblées provinciales? Ils reproduisent ce qu'ils ont critiqué et ils font pire que leurs bourreaux et leurs anciens leurs prédécesseurs. Pire. Regardez comment ils font la cacophonie dans toutes les assemblées provinciales et dans nos provinces. Depuis que Tshisekedi est là, les provinces sont par terre. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui plus de 2 ans pour qu'on organise les élections à Lualaba? Comment vous pouvez expliquer qu'ils ont ils ont empêché à Mouyès de se défendre? Mouyès s'est fatigué, il a démissionné. Mais pourquoi Fifi Masuka, ça y est, c'est l'élection. Ils ont même peur d'organiser les élections. Fifi Masuka est là, va chaler, incompétente, mais elle donne l'argent à Toko Kabolambongo au détriment de la loi. Ils n'organisent pas les élections au Lualaba. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Maniema avec un certain si vous Safir ici, c'est qui là? Un délinquant politique qu'ils ont mis là, qui fait la délinquance au sommet de l'État. Il est Tatawana, il y a eu des pèses. Gouverneur intérimaire, Tilelo, aucune élection. Ils ont organisé une élection, le gars a perdu, il n'a eu que 2 voix. Ils se sont dit non, 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 il faut reprendre les élections. Babloka, Tilelo. Allez voir ce qui se passe chez Zoé là-bas, dans Tanganyika. Ils ont mis une maman encore, incompétente, si c'est Julie, si c'est qui là. Incompétente jusqu'à la moelle épinière. Zoé est parti de la province du Tanganyika. Bolingaete, Bolingaete. Mais allez voir, c'est Batouba remplacer Zoé, où se trouve la province aujourd'hui? La province de son propre père, sa province, le Kasaï oriental. Regardez dans quelle situation elle se trouve. Premier gouverneur, Maweja, qui ne sait pas écrire son nom. On impose Maweja parce que tant Wazagi de Bampiaka, Maweja diamantifère, il leur donnait de l'argent. Pour récompenser Maweja, on prend la province, on lui donne. Et le gouverneur, et si les gens ne savent pas m'appeler Excellence, on ne me respecte pas. Et, regarde la cacophonie que ce monsieur mène. Il ne comprend pas le fonctionnement du pays. Il ne sait pas que le développement doit partir de la base. Son problème à lui, c'est d'être reconnu comme président de la République, de prendre sa tembo et sa chivasse. Son problème à lui, c'est de marcher sur les tapis rouges. Le reste, il s'en fout. Regardez vos provinces, chers frères. Est-ce que c'est normal ce que Ngobila est en train de faire à Kinshasa avec cet autre Nanyoyo, Moudibio Nanyoyo, Godempoy? Bah, ils m'ont ensemble. Si qu'on bah, Yokanite, bah, Potani, et comme Ngeleka Bengabango, Tchokovara Bengabango. Tout ça, quel est l'avenir du pays? Quand la tête est malade, quand le cerveau est malade, c'est tout le corps qui est malade. Le Congo a un problème. C'est que dans sa tête, il y a un incompétent, un jouisseur. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Et je suis surpris qu'il soit aussi là, en train de se battre et de dire qu'il va avoir un autre mandat. Mes chers frères, la République est dans la rue. La République est en danger.
je vous ai toujours dit, s'il nous reste encore un peu d'amour, ce que nous devons faire, c'est de nous mettre debout et de chasser ces hommes au pouvoir. De les chasser. Ils créent maintenant des cliques. Et comme vous avez des pasteurs, des faux pour la plupart, des pasteurs qui ne comprennent pas la mission pour laquelle ils ont été appelés. D'ailleurs, pour la plupart, c'est des commerçants, ils n'ont jamais été appelés. Ils font des... Namoni Mobule Bimi ce soir, Église des Réveils du Congo, Montepili. Quand je vous dis que je suis à l'église de Christ à la maison, je suis... J'ai mes deux pieds à l'ESM, vous ne me croyez pas. Dodo Kamba a été évincé, j'ai vu qu'il a fait un point de presse. Il a dit qu'il n'est pas évincé, et tout, et tout. Et j'ai vu, comme dans leur habitude, ils utilisent maintenant la tribune, la chaire de l'église, pour répondre aux gens. Suivez juste ce petit extrait, je vous montrerai un autre extrait, puis je vais dire deux, trois mots, on va passer. Tolanda. Je suis une machine de guerre. J'ai été préparé depuis mon enfance à livrer la bataille. Na bunda na bande kwa famille balonga ngaité. Na bunda na bando ki a quartier balonga ngaité. Na bando ki a territoire balonga ngaité. Non, non, et bongo bando ki ba route na ba religion ne balonga ngaité. Je suis une machine de guerre. J'ai été préparé depuis mon enfance à livrer la bataille. Na bunda na bande kwa famille balonga ngaité. Na bunda na bando ki a quartier balonga ngaité. Na bando ki a territoire balonga ngaité. Non, non, et bongo bando ki ba route na ba religion ne balonga ngaité. Dodo Kamba, soi-disant évêque général de l'église des Réveils du Congo. Sur la tribune, sur la chaire de l'église, maintenant il commence à répondre. Je vais dire deux trois mots, mais bien avant, j'ai vu que celui qui s'est proclamé soi-disant oyo ba remplacé hier, il est arrivé hier ou aujourd'hui et il a fait son spectacle. C'est Guy Olang. Paul David Guy Olang. Le fils de maman Olang. J'ai pleuré. Bakene Goyambe Léon à l'aéroport. Bota la Yewana. Oh mon éminence, mon éminence. En total, Dodo Kamba lobi ya longwete. Ye Guy Olang ya ye a lobi. Ye moutou ba vote. Bon an a pe image. Na lo babilo gomi balé. Tokene. Total no image. Là, c'est Guy Olangi qu'on dit être le nouvel évêque, soi-disant de l'église des Réveils du Congo. Mes chers frères, la République est malade. J'ai toujours posé la question à un moment donné au bon Dieu, j'ai dit, qu'avons-nous fait pour mériter ça? C'est quel pays qui n'a pas de modèle? Le sacré n'existe plus. Dodo Kamba a détourné l'argent. Dodo Kamba, c'est un corrupteur. Si aujourd'hui, nous aurons des élections claudiquantes, voilà le responsable de cette situation. C'est ce Dodo Kamba ici, qui a corrompu les hommes d'église. Il donnait à certains 50 000 pour qu'on nous impose un UDPC au sommet de la CENI, Denis Kadima. C'est Dodo Kamba. C'est des raisons mercantilistes. Moyibi ya mbongo mutuza kome mabango kuna. Baza bato nzambe te bato yo. Mes chers frères, il n'y a pas Dieu dans ces choses. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Ils pensent que le quoi la ti veste, a kangi babouton, français ya. Alléluia. Oh le Seigneur. J'ai fait le combat. Ce n'est pas Dieu ça.
La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ils produisent les fruits de la malédiction, les Dodonkamba, les, ces gens ici, les Mukuna. Les... Dieu n'est plus avec eux. Ah, Péroko Simba Basala Nzambete. Qui es-tu pour toucher mes wains? Et qui est. Non. Pas d'intimidation. J'ai vu la mangue. J'ai dit que c'est un manguier qui a produit cette mangue. L'avocat n'a pas à venir me dire non. Il faut que tu dises c'est l'avocat. Non. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Dodo, c'est un corrupteur. C'est un corrupteur. Il a corrompu. Il s'est retrouvé là frauduleusement en faisant un coup à son grand frère de Nanyo, Sonny Kafuta. Vous avez vu le spectacle? Est-ce que ce spectacle là, c'est le spectacle des hommes de Dieu? Les loyaux en basso bengale, ayibi bambongo, asali babou, a corrompre batou, ba pesa ba mousou ba 50 000 naba jeep, dodo kamba que vous voyez là. Avec son col pastoral, des aventuriers que Dieu ne connaît pas. Je suis surpris. Dans l'église, dans mon poste, alléluia, oh, man of God, daddy. Nous sommes au temps de la fin, l'église est infiltrée. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, le Kassai contrôle tout le système électoral des Dodon Kamba ici, sont des responsables de cette fraude-là. Dodo Kamba. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'amour de l'argent. Et Mimi Bango Bissikaron. Je suis surpris d'apprendre que dans cette guerre-là, on utilise le fils de Maman Olangi. Guy Olangi. Je vais poser une question à Guy Olangi. Son père était là. Sa mère était là. Maman Olangi n'a jamais cru en ces choses ici. Est-ce que vous avez entendu Papa Olangi aller dans ces histoires de RC? Maman Olangi n'était pas membre de ces choses-là. Ils organisaient des réunions, oh, repentance au stade. Oh, est-ce que Papa Olangi a le colonel, toi, Maman Olangi a le colonel Blokwana? Si Guy Olangi est le fils Olangi, et qu'il dit qu'il a reçu, si c'est le ministère, si, bah succédé à Tata Nabango Komba, comme bah héritier église. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce que sa maman était dans ces choses? Est-ce que son père était dans ces choses? Moi, je m'abstiens. Parce que Guy Olangi, je connais. Je connais la famille Olangi. C'est ma famille. Laissez-moi vous faire un petit témoignage. Ce n'est pas ça le but de l'émission, mais je suis dans l'obligation de le faire. L'émission, c'est aussi socio-culturel et même on évoque aussi un peu la religion. J'ai connu Maman Olangi, moi, et Maman Olangi m'a adopté comme son fils. Je faisais des émissions. Et un matin, je vois quelqu'un m'appeler, il me dit, Maman veut te rencontrer. J'ai dit, Maman Olangi. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Je débarque chez lui, aux orateurs, chez elle. Je trouve Maman Olangi. En tout cas, Maman Olangi. J'entre, ah, Pierrot. Elle m'a toujours appelé Pierrot, mais toi. Mais yo, Zofing, dans la TV, Ngaï. Moi, je ne fais pas des éditos, je reçois des invités. Oh non, mais le mieux, il y a Maka, tu vas le voir, ma bien, Ngaï. Ah, mais Maman, tout ça, la démocratie. Parce que Moutaïa, le mieux, ma bien, na bengi yo, oya ota la moussa la na salaka, comme ça, on se faire une idée. Ya moussa na ngay. Mes chers frères, cette maman-là, ce couple-là, m'a impressionné na niveau moko. À chaque fois que j'étais avec Maman Olangi, je lui disais, quand je viens ici, je confirme l'adage qui dit, il ne faut jamais critiquer Mouto pour sanate. Moi, je peux vous dire, je n'ai jamais prié chez Maman Olangi, mais je crois que Maman et Papa Olangi étaient les hommes de Dieu. C'est un avis. Je les ai fréquentés. Moi, j'ai fréquenté tous les pasteurs que vous connaissez, tous. Je faisais une émission à succès au Congo. Tous y sont passés, tous y sont devenus mes amis. Les Denis Lessi, les Kankienza, les Mukuna, Tibola, Ndumba ou Yamukunao. Tous. Les Kiziamina. Je vous dis que ma foi a subi un choc parce que biloko na mona ba tata na bazako sala au kopota mbangu. Ba sa ba tonza mbete. Oh, soko fandi na bango, hein. Soko zala bango. Au lieu qu'on la spirituellement au kobeba. Je sais pourquoi je vous le dis parce que je vais vous démontrer comment ils sont maintenant utilisés par Elmu Tengeleka. Mais j'ai fréquenté Maman Olangi. Je suis allé aux États-Unis avec. Je suis allé en Côte d'Ivoire, en Angola, Congo Brazza. J'ai fait la ronde avec Maman Olangi. Non mais ce couple était exceptionnel. Il respirait Dieu.
Ils n'étaient pas dans ces choses où leur enfant est... Guy est en train de chercher dans ces histoires-là. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? C'est lui. Si effectivement il est fils biologique de Maman Olang, il doit aussi être fils idéologique. Son père n'acceptait pas ces choses. Sa mère n'acceptait pas ces choses. Vous héritez de leur église comme si c'était un héritage. Mais hériter ne fût-ce que de leur façon de voir et de faire les choses. Hériter de leur façon de faire les choses. Un jour, j'ai fait une émission avec Ankenza. Albert. Albert, tu as mis au moins deux anecdotes. Albert passe dans mon émission. Non, c'était pas Ankenza, c'était Kizamina. J'ai fait une émission avec Jean-Oscar Kizamina qui lui là. Il vient, il attaque Maman Olang. Pas non, Azana Nzambete, tout ça. Abotolinga Lupango Mongo Boina. Bon, ah bah pasteur, bandego. Togombena Tangasuka. Abotolinga Lupango Mongo Boma, et tout ça. Azana Nzam. Allo, Babiloko Mongo. Quand l'émission se termine, je prends mon téléphone, j'appelle Maman Olang. Il me dit, c'est vrai ça, viens un peu à la maison. Je vais à la maison, je dis, mais Yopoko au bout. Maman Olang, j'étais son fils. J'entrais dans sa maison, dans sa cuisine. Il me recevait comme son enfant. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui là-bas, je me dis, mais ce que la Moussa tape pendant un mois. Ce que la Moussa tape pendant un mois. Ils ont perdu la vision, ils ont perdu les attitudes, ils ont. C'est pas possible. J'arrive, je lui dis, au botoli kizamina, ndaku kizamina, au botoli ndaku na bo matu. Ngaï, kizamina. Kabi kizamina, au église na ya tongi pe meni au botoli ndaku. Il me dit, appelle kizamina. Je prends mon téléphone, là, c'est instantané, j'appelle kizamina. Allô, ah, évangéliste, comment ça va? Mais c'est pas Maman Olang. Ah, non, bien. Hey. Maman Olang dit, ok, ok, je comprends pas ça. Il y a qu'à lobby. Tu peux s'en rendez-vous lobby à 14h. Ngaï, Maman Olang a lobby. Non, s'il te plaît, ne diffuse pas l'émission. Nabi Melo diffuse. Non, Péro, Makambako Finga, non, ne diffuse pas. Ah, Fouka Melingabi, ne diffuse pas l'émission. Je n'ai pas diffusé l'émission. Le lendemain à 14h, on se retrouve chez Maman Olang. Kizamina amène son conseiller juridique. Moi, le rendez-vous était à 12h, 13h. Moi, je suis arrivé à 11h. Maman Olang arrive dans son salon. Il y a 4 qui ne sont pas. Il y a Kizamina qui a fait son salon. Kizamina a fait son salon. Maman Olang vient à Bando. Il y a un jeep. Il y a la tarawana. Il vient. Tofandi. Maman Olang dit à Kizamina. Kizamina était incapable d'expliquer que. Je dis, oh. Mais je dis à Kizamina. Je dis, mais. À l'émission, vous avez dit. Il dit, mais. C'est quelle maison? Donc, Ayena Lobi Makambu, il était incapable de voir Maman Olang. J'ai vu Maman Olang se mettre debout, à genoux devant Kizamina. Il dit, écoute, Nzamba Lobi, Luka Kimena Moutunio Sotu. Soki Nga Ina Salaki Omabe, Limisa, mais yo yo Zoko expliquer. Kizamina était, Namona confusion yon nengo anate. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, Bato yo ba salabi, Loko Mora Osaranate. Maman Olang dit ceci. Abengi conseiller juridique na yaye na bilo kwa chewana. Il prend son téléphone, il appelle son mari. Son mari est aussi aux États-Unis. Il dit, écoute, il y a un problème. Kizamina est allé dire à la télévision que tout le monde est là. Mais le Seigneur m'a convaincu na kabele ndako. Je vous parle d'une histoire authentique. Son mari dit, il est hors de question. Ah, papa, yo pendoza, papa, nazo salo nzamba lobi, toko solo lango soko zongi. Séance tenante, il appelle son chargé de bien baillé, Bazunda Kwabi, aller prendre ses maisons. Comme, on a une chambre église, on a une chambre église, ok, ça a yote, n'a pas su. Moi, témoin, c'est moi qui ai organisé ça. Kizamina est vivant, allez poser la question. J'ai des anecdotes comme ça, beaucoup sur Maman Olang. J'ai des anecdotes comme ça. J'ai géré un problème entre Maman Olang et Onani Oyo. Walesa. Je viens de vous raconter encore une histoire. Erango Boya Lobana, n'a pas été solo. Et mes sommes, on va passer parce que c'est important. Moutounanga dénilé si. Yé nan bimi sa blora te po ya yebi. Asa la mère wana boye. Boye. Ce couple là était mis. Non, moi je n'ai jamais prié chez eux. Yé mou dans un so ba ke ba founi kouna po ba yagina ba songi la ba mou ba to ya ya ndinga ndinga. So ba yo founda nga kouna be. Eh, mais Pierrot, eh. Ba founda kyo me. Na yébi se ba ngonga na te anan ou Pierrot anan zambe nan gaite. Moi, elle disait toujours ça de moi. Je venais chez elle, je mangeais. Mais ce que je vois,
qui se passe là avec les dodo Kamba. Le problème, c'est qu'on s'approche des élections, ces gens veulent se positionner pour avoir l'argent avec Helmut Ngeleka. Je vous ai raconté quelques adénox sur Maman Lang. Je vais en parler. Dernièrement, prochainement, dans Betabino Magambo. Bon, mon ami. Ma pasteur. Ah non. Ya! Ma petite poêle. Bon, lui, mais ça là, mais alors, vers Amaï. Oh! Ma pasteur. Soi-disant pasteur. Oh! Non! Ou quoi, Bangote? Nana, mon ami, Maman Lang, Azo, Tomoka. Netasimba wale sa anana kabundi wale sa mais heureusement que c'était au téléphone. Il était prêt à gifler wale sa. Dans un dossier que j'ai géré. Namona ndenga mamo langi wala zoko géré makambo bandaku Denis est sorti prison à PC ndaku mokwa fanda Denis est allé qui na TV et toujours chez moi idiot bakabele ndaku et puis li moto. Non les pasteurs. Il y a Denis pétage fana yo yo a un homme ta wana bena mutuna na kati mini kwa na lele fo wana. Mais je suis surpris que son enfant entre dans ces choses. Ba sui église ba partager église. Moi avant la mort de Maman Lang, une des dernières émissions que j'ai faites avec elle, j'ai toujours dit aux gens que j'ai le testament de Maman Lang. Je lui ai posé une question simple. Si tu n'es pas là aujourd'hui, qui hérite de ton église? J'ai cité les noms. Les Onani, Bambiye, Bazub Église. Moukounazou, moi, l'année, camarade de ma musicien, Azo commissaire, Oyo, Koutinoa, il vient de prendre sa fille, à commissaire. C'est-à-dire que l'église est comme un royaume. Oyo, Onani, Oyo, Sikatenda, Sikatenda. J'ai posé la question à Maman Lang de son vivant. Qui te remplace de tes enfants? Écoutez la réponse. Mais voyez ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez vous poser la question. Ça, c'est Maman Lang qui parle. Mais il meurt. Les gens voient totale contradiction. J'ai le testament de cette maman. Ses enfants se sont partagés l'église. Ils se sont partagés les responsabilités. Oh, Yazub, en totale contradiction avec l'héritage, avec le testament de leur propre mère. Ils sont peut-être les enfants biologiques de Maman Lang. Ils sont un fils adoptif, ma fils adopté à Maman Lang. Je lui avais posé la question comme testament. Dis-moi, qui te succède si tu n'es pas là? Écoutez, c'est comment il répondait. Et puis, dans le n'est-ce qu'on lien à la lobby politique. Suivons d'abord. Heidi Nabal est mort, oui. C'est son fils Pefa qui a pris la place, et puis maintenant c'est son épouse. L'apôtre Mbiye, c'est son enfant Moïse Mbiye qui prend l'église. Nema et remplace son père Sikatenda, vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à qui? Alain Olangui, mm-hmm. Où vous avez déjà un successeur, où c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangui, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? Nous ne parlons pas des gens qui doivent nous succéder, ce n'est pas notre vision. Nous avons donné un message aux disciples et messagères. Comment nous travaillons là-bas? Nous avons formé les gens pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas Guy qui a les gosses représentants. Ce n'est pas Guy qui est au Ghana représentant. Ce n'est pas Alain qui est représentant à John Smith. Nous avons formé des gens qui ont accepté de travailler pour Jésus. Nous allons voir après la mort qui sera capable de nous remplacer. Si Guy aussi est parmi les disciples qui vont travailler, il va travailler avec tout le monde. Nous, ce n'est pas une église, nous sommes un ministère. Où nous avons au travers le monde. Il y en a qui sont les savants qui sont en Australie qui travaillent pour le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, ils seront des nombres. Mais ils vont travailler avec qui? Mais s'ils ne seront pas des nombres, ils vont rester comme ils sont. Ici, maintenant, là où nous sommes vivants, chacun fait son choix. Tu as vu quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, un enfant qui est là-bas, quelqu'un est licencié. Il dit, maman, je vais servir ton Dieu, le Dieu qui a restauré mes parents. Ça me choque. Moi, j'ai une petite fille là-bas. Sa maman n'a rien. Betty, elle est licenciée. Mais Betty, va travailler au Dieu, maman. Je vais servir ton Dieu. Il a restauré notre famille. Donc les gens ici travaillent par rapport à ce que Dieu a fait dans leur famille. C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau. Il est représentant à Paris. Mais les gens là, il faut un choix pendant que nous sommes vivants. Et aussi, ils doivent faire un choix maintenant. Les enfants. Et si c'est le choix qu'on fait, il y en a qui peuvent rester ici travailler comme un maître avocat ici. Mais c'est bon, il doit écouter. Mais il y en a qui il est avocat. Il dit, maman, je vais travailler pour Dieu. Mais il va aller partir à Douala. Pour aller rester là-bas, c'est son diplôme. Mais c'est Dieu là, Dieu le connaît. Nous, c'est un ministère, on fait choix. Ici, c'est les choix. C'est quand même les gens qui ont fait choix. Je laisse tout pour Dieu. Heidi Nabal est mort. C'est tout. Maloba Mouri. La place, et puis maintenant, c'est. Est-ce que Boyogi Maman Lang a l'oubli que
ngai so nazate Guy Olangi muta aux églises. Quand je parle des églises, aujourd'hui, l'apôtre Mbille, l'œuvre que ce couple respectueux a construite, bah, petit si combo les sept aiglons. Tu sais, vous savez, je, c'est ma famille, je sais. Nana bilom sous son abina bêta ma modi mousso na bêta baba canon mousso. J'ai de bons rapports avec eux tous. Au ministère du combat spirituel, je n'ai que des amis. Que des amis. Je parle bien avec tous ces enfants, mais je suis esclave de la vérité. Et mon cœur saigne, souffre quand je vois ce qui se passe là-bas. Moi qui ai connu maman et papa Olang. Mon cœur souffre. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez entendu dans sa bouche, yé maman Olang a l'oubli que Ngaï Lelo? Une fois je suis allé à l'église, na 17e rue, na boni batché pancarte mogo, les sept aiglons. Bana babi pesi combo les sept aiglons. Donc ils se sont partagés l'église. Oyoana, représentant légal. Oyoazui JCC. Oyoazui Nani Yabamama. Oyoazui Peniel. Oh! Mais leur maman est en train de parler. Elle n'avait pas dit ça. Elle n'avait pas dit ça. Mais maman n'avait pas dit ça. Maman n'a pas le babongote. La vérité, elle est là. Leur maman n'avait pas dit ça. Leur maman avait dit. Mais ils ont formé Bana pour succéder Bissoté. Et il avait raison. À l'époque et jusqu'à leur mort, Alain Olangi était un homme d'affaires. Je ne veux pas trop parler. La seule qui tentait quand même, c'était Ketia un peu. Aksa était dans ses histoires de musique. Mais au nom de quel principe aujourd'hui? Loin du testament des parents. Loin. J'ai connu ces couples, mes chers frères. Quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. C'était des gens de valeur à un niveau non, exceptionnel. Ceux qui critiquaient les mamans et les papas Olang, non, vous ne les avez pas fréquentés. Moi, j'ai été confronté à toutes ces situations-là. J'entrais, j'en parlais, je voyais. C'est seulement parce que les gens les traitaient de l'eau. Mais, c'est quoi le bazar? T'es beau, t'as là. Allez, Guy, maintenant, il veut aller s'accaparer l'église des réveils du Congo. Guy, Dodon Kamba, se revendique. Bali Kobunda, soi-disant, Bali, ma poche à Félix, c'est ce qu'il dit. Dodon Kamba a même, et même allé à la présidence pour dire, oh, qu'est-ce que je vous ai fait? Dodon Kamba. Guy, lui s'était organisé, il a déjà amené les Moutungeleka. Comme ce type manque à faire, Naba fait Azali, Naba veille Azali, Naba matang Azali, Naba kanga lupang Azali, Akenaka culte, Kuna et pas maman Langa, Fukami Boy. Guy, pour lui, c'était un honneur. Il a amené, soi-disant, le président de la République à l'église. Donc, ils sont en train de se battre là parce que nous sommes au niveau des élections. Vous avez les Kankienza avec cet autre bandit. Ces bandits de Golden Poi, qui eux aussi, ne se retrouvant pas dans leur histoire de l'RRC, ils ont créé autre église au conseil des églises de réveil. Nakatikou nous que nous coûte à Mukuna Chibola, Dumba ya Tatawana Mukunaba, Yabankolo, Azanakat. J'avais dit ici, j'ai vu quelqu'un que j'ai respecté, le pasteur Espérance Mbakadi. Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens ici, Onzambatika Bango? Dans leur idée. Et les soeurs, les couleurs, il faut qu'on lie à Mbongo. L'amour de l'église, l'œuvre de Dieu, sauver les âmes. Batika. Makenda. Et t'as les bangotes. Et quand on leur parle comme ça, on dit, oh, ne touchez pas, mais quel loin. Les hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? Les hommes d'argent, les chercheurs d'argent. Quel homme de Dieu il y a là dans ces histoires-là? Les chercheurs d'argent. Voilà que le mout est allé encore ressusciter un autre. Celui-là est un violeur. Un certain Paul Mukendi. Paul Mukendi est violeur. A violé Bassine à Canada. Condamné pour viol, séquestration, tout ça. C'est lui que le mout utilise aujourd'hui contre Denis, contre le docteur Mukwege. Et je l'ai vu, comme dans leur habitude, sur la tribune, à la chair, s'attaquer à Denis Mukwege. Écoutez cet autre Paul Mukendi. Je reviens et on va continuer l'émission. Total. Contre
notre prix Nobel de la paix. Je vais donner un exemple, le 18 septembre 2023, où le docteur Mukwege a tweeté. Écoutez, la République démocratique du Congo ne doit jamais être une terre de discrimination. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres ont aussi leur place dans le développement du pays. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Et il y a des gens qui pensent vraiment que nous pouvons nous lever pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'on peut détester son visage. Non. C'est tout simplement parce que nous refusons de vivre ces choses qui sont proclamées ici. Je dis non. Est-ce que je suis contre lui? Non. Mais en tant que candidat à la présidence, nous allons le combattre? Oui. Je vais le répéter. C'est un tweet, il a même supprimé ça sur son compte. C'est là, c'est un tweet. Les gens avaient déjà fait capture d'écran. Il est là, c'est son tweet certifié, même en bleu. La République démocratique du Congo ne doit jamais être une terre de discrimination. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. Vous voyez, les transgenres, ce sont des personnes, quand vous voyez un homme, mais il porte des seins. Et vous regardez son mollet, il a un mollet comme Maradona. Je continue. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres ont aussi leur place dans le développement du pays. Signé, prix Nobel de la paix, votre futur président. Alors, beaucoup de gens, d'abord au Congo, la plupart des gens ne connaissent pas c'est quoi l'identité du genre. Ils ont la notion du genre par rapport à ce qu'on avait étudié à l'école. Tu es de quel genre? Il dit féminin. Quel genre? Il dit masculin. Non, le monde a déjà changé. Lorsque le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, a dit on va introduire l'identité du genre, il faut qu'on accepte, le Congo doit être inclusif. L'identité du genre est l'expérience individuelle d'une personne qui peut correspondre ou non à son sexe biologique ou assigné à la naissance et qui peut impliquer avec son consentement des modifications corporelles, des choix esthétiques ou toute autre expérience de genre dont l'habillement ou la façon de se conduire. Donc ça veut dire que si le matin vous voyez, vous dites que vous avez mis au monde trois garçons et l'un d'eux il change, il commence seulement à marcher comme Céline et puis il s'habille comme Marie-Jeanne et il se maquille comme Sophia, alors tu n'as pas besoin de lui dire qu'est-ce que tu fais. Pourquoi? Parce que lui, la loi l'autorise. C'est ce que le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, est en train de vouloir introduire une fois président. Donc une personne peut avoir, il peut décider lui-même du jour au lendemain, il est un homme et il décide que je suis une femme. Bref, les transsexuels, les homosexuels, nous avons des personnes aujourd'hui, quand vous voyagez dans certains pays, vous allez voir qu'on a déjà écrit les toilettes pour hommes, pour femmes et puis pour neutres. Quand je lis ma Bible, moi, il est écrit qu'il est créa mâle et femelle. Et vous trouvez qu'il y a des personnes, parce que les gens ne savent pas jusqu'où ça peut aller. Je n'ai pas de problème avec le docteur Mukwege en tant que personne, en tant que citoyen congolais, mais j'ai un problème avec un candidat président qui veut venir mettre nos traditions, notre foi chrétienne en difficulté. Là, je me dis, non, je suis une voix. Je dois m'élever et je dois prêcher. Vous venez de suivre Paul Mukendi. Qu'est-ce que Paul Mukendi dit? Paul Mukendi dit que Denis Mukwege vient faire la promotion de l'homosexualité. Mukendi n'a bien attendu balouba balouba. Mukendi Paul va même à l'église montrer un tweet attribué à Mukwege. D'emblée, je voudrais ici vous dire que ce tweet-là était faux. Le tweet qu'on a attribué à Mukwege où il disait les homosexuels, les tralala ont le droit de vivre tranquillement au Congo. Mukwege n'a jamais tweeté ça et il a été clairement démontré qu'il s'agit d'un montage des gens d'Engeleka. Il s'agit d'un montage des gens d'Engeleka. Allons même dans l'hypothèse où c'était vrai. Maintenant on dit quoi? Que quand lui Paul Mukendi, si aujourd'hui Paul Mukendi devient président de la République, il va aller prendre tous les homosexuels et les lesbiennes que nous avons au Congo pour les tuer. Allons même dans l'hypothèse où c'était vrai. Donc Paul Mukendi là devient aujourd'hui
président de la République. Il prend la garde républicaine, il prend les armes, allez, il va commencer à entrer dans les maisons déjà. Homosexuels à Zalaka, tout. Lesbiennes à Zalaka, tout. C'est comme ça que ça va se passer. Le Congo ne fait pas la promotion de l'homosexualité. Le Congo ne pénalise pas l'homosexualité. Le Congo, sur le plan des principes, il criminalise pas l'homosexualité. Et alors, nous avons nos valeurs. Mais quand un pasteur va prendre des... Il raconte sa vie comme ça. Mais regardez les reportages au Canada. C'est lui qui veut donner des leçons aujourd'hui. C'est Paul Mukendi ici. Il veut donner des leçons aux gens. Qui est Paul Mukendi? Bolanda. Paul Mukendi, qui a été condamné au Canada? On va suivre. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très grave et très important. Le cas du pasteur Paul Mukendi, un violeur en série qui a fui le Canada pour se réfugier en RDC. Paul Mukendi est le fondateur de l'église évangélique Parole de vie à Québec, au Canada. Il a été reconnu coupable d'agressions sexuelles, d'agressions armées et de menaces de mort sur une jeune fille de 14 ans qu'il a violée et battue à plusieurs reprises. Il continue à prêcher sur les réseaux sociaux, où il se présente comme un homme de Dieu persécuté par la justice canadienne. Il n'hésite pas à mentir, à manipuler et à escroquer ses fidèles en leur demandant de lui verser des sommes importantes pour financer son église et ses projets. Mais ce n'est pas tout. Paul Mukendi a aussi été reconnu coupable d'une autre agression sexuelle sur une ancienne fidèle qu'il a violée. Il a été condamné à 2 ans de prison supplémentaire. Il fait aussi l'objet de plusieurs plaintes pour exploitation financière, fraude et manipulation émotionnelle de la part d'ex-paroissiens. Paul Mukendi est un criminel, un imposteur et un violeur. Il n'a rien d'un pasteur, il n'a rien d'un chrétien. Il est un loup déguisé en agneau qui profite de la foi et de la détresse des gens pour assouvir ses pulsions et ses ambitions. Il doit être arrêté et extradé vers le Canada, où il doit rendre des comptes à la justice. Mais Paul Mukendi a peur. Il a peur parce qu'il sait que son impunité pourrait bientôt prendre fin. Il a peur parce qu'il apprend que le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix 2018, se présente comme candidat à l'élection présidentielle en RDC. Le docteur Mukwege est un gynécologue renommé qui soigne les femmes victimes de violences sexuelles dans l'est du pays. Il est un symbole de la lutte contre l'impunité et pour les droits humains. Alors Paul Mukendi tremble. Au lieu de prêcher l'évangile, il commence à diffamer sur l'éminent docteur Mukwege. Il l'accuse d'être un agent de l'Occident, un traître à la nation, un ennemi du peuple. Il essaie de discréditer sa candidature et de semer le doute dans l'esprit des Congolais. Nous devons faire entendre notre voix pour que le viol ne soit plus une arme de guerre, mais un crime puni par la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et aujourd'hui, bien, il était moins bavard, je vous dirais, dans le box des accusés, alors qu'il a été confronté à 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle, de voies de fait armées, d'une ceinture et d'un couteau, également des chefs de menace de mort. C'est un pasteur qui a également écrit des livres sur comment réussir dans la vie. De partout dans le monde, où que vous soyez. C'est un scénario digne d'un film. En fuite depuis un mois, il s'est adressé samedi à ses fidèles de partout dans le monde sur Facebook. Paul Mukendi a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente et condamné à 8 ans de prison. Le 20 août, il a fui les autorités et ne s'est jamais présenté au centre de détention comme prévu. Il dit maintenant se trouver en République démocratique du Congo. J'ai choisi de retourner dans mon pays, la RDC, et c'est ici que je suis présentement. C'est une cavale qui suscite de nombreuses questions, notamment sur la capacité des autorités à le retracer. L'utilisation de moyens techniques par VPN ou même le réseau Tor, lorsqu'on veut aller sur le Darknet, c'est très populaire comme méthode d'obfuscation. Ce sont des moyens qui vont rendre à ce moment-là la tâche très difficile, voire quasi impossible aux forces de l'ordre de retracer. N'empêche, la police reste à l'affût d'une erreur. En général, c'est la faille de ces individus qui est en cavale
c'est qu'à un moment donné, ils ne peuvent se résoudre à ne plus avoir de... Retour sur ce plateau. C'est donc ces violeurs. Paul Mukendi, un violeur. Un bandit. Un délinquant. Condamné dans la première instance. Condamné dans la deuxième instance. Condamné à la cour de cassation. Donc, il a épuisé toutes les étapes. Il y a procédure judiciaire dans le Canada. C'est ce monsieur avec son bougina pink qui n'a le rôle à défaut, comme j'avais dit à l'époque de Talamou Pempaya Ben Niamabo, qui vient aujourd'hui utiliser la chair de l'église pour s'attaquer à Denis Mukwege. Paul Mukendi n'a aucune leçon à donner aux Congolais. Aucune. S'il est sérieux avec lui-même, il n'a qu'à se taire. C'est un fugitif. Un fugitif. Condamné pour séquestration, tentative, ce qu'il y a au Bomamoutou. Condamné pour viol, il a violé une mineure plusieurs fois. Et vous savez comment il a fait au Canada? Il s'est déguisé en femme, lui pasteur, condamné le jour où il devait aller se présenter pour Akota en prison. Atcha Mabele à Lokuta, Atcha Plante, YPD, Abima, véritable homosexuel lié pour le Mukendi. Ces jours-là, il s'était déguisé en femme homosexuelle. Pour fuir le Canada, ce type s'est déguisé en femme. Donc, les Yewana, Paul Mukendi. Atia Bati, ba rouge, Atia perruque, Atia alati robe, na soutien, Atia ma belle, fiouk. Tout la moussia zaza. Violeur. Akimi, Aye, il utilise maintenant la fibre tribalo-ethnique. Comme le type qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est un tribaliste. Mukendi veut utiliser son nom de Mukendi et il ouvre sa bouche pour parler. Dans des pays sérieux, est-ce que ce type peut parler? Bazu Mukwege, Bazu Mukendi, Bazu Ngeleka, allez va comparer bango. Mukendi, Paul Mukendi. Ngeleka va partir. Les décisions parmi les décisions que nous allons prendre. Nous ne voulons pas avoir de problèmes avec le Canada. Premier avion, allez. Okokendo ça la 8 ans en prison. Comme ça, Kerli ou Anozo Kotchana Soukina Mbangozo Fungolo que Fungolo en prison. Quel violeur comme ça il veut donner des leçons. Mou violo. Quelqu'un qui a violé. Condamné pour viol. Vous venez de suivre les reportages. Ce sont les chercheurs d'argent que Ngeleka utilise à donner de l'argent pour s'attaquer aux autres. Mais le même Mukendi a utilisé sa tribune, sa chaire à l'église au Canada. Et lui et Ngeleka, regardez avant ce qu'il disait de Denis Mukwege. Bon, à un moment donné, on va prendre Denis Mukwege. Mais avant, va changer Tolanda.
au docteur Mukwege, je le dis et j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes, son combat pour la restauration de la paix à l'Est. Et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. À l'époque, Mukwege était bien. Après Mukendi, vous avez suivi son mentor, Helmut Ingeleka. Mes chers frères, je vous ai toujours dit, je battrai campagne contre Félix Tshisekedi. Félix est un cancer. Félix est notre problème majeur. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous devons nous tous nous lever contre ce fils de la malédiction qui s'appelle Félix Tshisekedi. Tout autre discours, que ça vienne de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, est un discours mensonger. Paul Mukendi est un violeur. Paul Mukendi est un bandit. Paul Mukendi est un délinquant. En droit, un condamné est un délinquant. Et le droit pour elle de punir les délinquants pour rétablir l'ordre social qui a été troublé par l'œuvre de la délinquance posée par les délinquants. Mukendi est un délinquant. En droit, c'est un délinquant. Il a une condamnation coulée en force de la chose jugée. La procédure a suivi à l'Andiangotinasuka. Ce type a violé. C'est un violeur. Le combat pour lequel Mukwege se bat. Alors, partout où vous êtes dans le monde, ne suivez pas ces charlatans de Mukendi. C'est un délinquant. Un délinquant. Un violeur. Il n'a aucune leçon à donner aux gens. Quand Mukendi ouvre sa bouche, rappelez à Mukendi que c'est un violeur. Il veut s'accrocher derrière cette histoire. Oh non, on m'a condamné parce que j'ai parlé de l'homosexualité. Il est le seul pasteur qui condamne l'homosexualité dans le monde. Pourquoi les autres n'ont-ils pas été arrêtés? Il veut s'accrocher. Un violeur. On sera derrière pour montrer au peuple le manœuvre. Les amis, ça brûle et ça panique dans les rangs de Helmut Ingeleka. Après la sortie du général John Numbi, c'est la panique totale. Ngeleka a reçu avant-hier les généraux. Et je vous dis qu'il règne un climat malsain. Les généraux ne sont pas contents. Ngeleka est assis sur du volcan, ça va péter à tout moment. Il fait venir des généraux le matin à 7h-8h. On leur demande de déposer des véhicules na parking. Batambusi batata batu makolo. Bamatisi bangona ba bus, bokiti na bus, bobandi makolo. Bokeko fanda. Ngeleka était en train de prendre sa Chivas et sa Tembo toute la matinée pour recevoir les généraux qu'il a fait venir le matin à 16h. Et pour leur dire quoi? Il a détruit l'armée, il a donné l'armée à Biamunda. Biamunda qui fait des dégâts. Je vous dis qu'il y a un mécontentement général. Il y a un mécontentement général au sein des FARDC. Ngeleka est assis sur le feu. John Numbi a parlé. J'ai vu qu'ils ont utilisé Chiwewe. Écoutez juste ce petit extrait du discours de Chiwewe. Je dirai deux, trois mots là-dessus et puis on va continuer. Tout le monde a Chiwewe. Ne jamais trahir le pays. Ne jamais trahir le Congo. La ligne n'a rappelé Bino. Parce que dans ce monde, on a battu Moussous, on dirait, Babandiko Bela Maboma. Namboka Oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Personne n'a commandé mon sous-souté. Raison pour laquelle, Nasoke Bissa,
Batomosus. Obazo Kanisake. Bazana Imperium. Sur l'armée. Aux fans de ce qui wapi. Au comi koloba oba généraux. Ba généraux. Autant de combo ya général était. Autant de combo ya colonel était. Tika mokonzi ya mboka. Ministre de défense. Nangai. Totanga ba combo ya ba généraux. Yoko tanga combo ya général ta mon côté. Ce qui osa na besoin ya bitumba yaka okokuta pe biso tokobunda. Askar, est-ce que toza après ya bitumba? Vous sentez la panique? Vous avez entendu le discours de Christian Tshiwewe? La panique a gagné le rang. Mais je vais ici dire à Tshiwewe et à son chef Helmut Ngeleka, montez, descendez, ce qui est prévu arrivera. Ngeleka va partir. Ngeleka va partir. Quand vous entendez Tshiwewe parler, est-ce qu'un chef d'état-major général peut parler comme ça? En train de crier Kubundu la mise de Balobak. Un chef d'état-major général peut parler comme ça? Tshiwewe dit, pour likambo salama, nzambe mutafe. Est-ce qu'un chef d'état-major peut. C'était un prédicateur ou un chef d'état-major qui parle, qui peut parler comme ça? Mais quand Tshiwewe dit Yo sokoza makasi yakawa, il s'adresse à John Lumbi. Mais Tshiwewe, va d'abord attaquer Willy Ngoma. Mais c'est quelle folie se passe dans la tête de ces gens d'Ngeleka ici? Nous avons déjà des gens dans notre pays. Ngoma et les M23 sont chez nous. Les ADF sont chez nous en train de tuer chez nous. Toi, Tshiwewe, tu es chef d'état-major. Tu n'as pas encore fini avec les M23. Tu n'as pas encore fini avec les ADF. Mais tu dis que Johnny Numbi, Aya, Akokuta, Nanoko, Bundanaye. Mais Bundana, nous n'avons pas tous à la baronne à Kata Yandaku. Ce qu'on a pomba aux chefs d'état-major, qu'on a makasi, Bengana M23, Bengana ADF. Bamobondo, Bazale, Anabad, Noudoua, Omoni, Bangote. Bamobondo. Vous prenez des gens pour des imbéciles, vous, hein? Donc, vous êtes dans une maison, le voisin de gauche vient, il entre chez vous, il lui prend la cuisine, il prend votre fille, il commence à les violer devant vous, vous entendez le voisin de droite menacer, vous vous arrêtez devant la porte, si tu es fort, viens ici, je vais te chasser. Mais il y a déjà un voisin de la droite qui viole ta propre fille et qui occupe la cuisine, mais commence par chasser ce voisin-là. Mangungu. Mangouingoui. L'armée est désacralisée. La République est dans la rue. Le fils de la malédiction nous a détruit tous les efforts. Tshiwewe demande à ce que John Numbi vienne et qu'il va les trouver. Et les M23, pourquoi Tshiwewe ne les chasse pas? Et ça fait les ADF, pourquoi Tshiwewe ne. Ah ouais, ouais, les Mobondo qui tuent ici. Tshiwewe où? Bah on va la carte. Au Bengani bangona nuté, aux agobetatolo. Il y a 400 hommes au Bali, il y a 400 hommes au Bali. Coucou Tananabiso. Coucou ça nous M23. Coucou ça nous M23. Johnny Numbi ou pas Johnny Numbi, nous allons chasser Ngeleka. Degré ou de force, Numbi ou pas Numbi, Ngeleka vit ses derniers moments au pouvoir. Il va aller continuer à boire sa tembola s'il a la chance. Mais je crois qu'il doit aller, il doit d'abord remplacer Nanyoyo. Comment on est là? Salomon Escadelle dans la cellule là. J'ai vu les gens parler. Ils sont allés ressusciter, je vous avais dit lors de la dernière émission. Barnabé Milinganyo. Johnny Numbi, Johnny Numbi. J'ai même entendu les gens dire, Johnny Numbi, Abanda Koteka carburant. Johnny Numbi, réparateur de radio. Johnny Numbi n'a pas les niveaux de Helmut Ngeleka. On peut tout reprocher aux années, mais ne comparons pas les comparables. Ngeleka a quel diplôme? Tshiwewe là, le niveau de John Numbi. Pourquoi vous allez jeter de l'opprobre sur des gens qui vous ont fabriqué? Bolingaete, John Numbi n'a pas le niveau de. Je vous ai dit, j'ai le CV de John Numbi, que j'ai vu quelque part. Numbi a étudié à l'école primaire Mungano à Likasi. Numbi, John, il est ingénieur technicien électronicien de l'ISPT Likasi. J'ai même le nom de son travail de fin d'études. Travail de fin d'études présenté, défendu. Autonomisation du concentrateur de Kamoto. Cascade.
1001 et 1002. Les CV citent même les... Et puis vous allez demander à Elmout, hein, à citer ma CV, ma professeur. Ngeleka, il a fait quelles études? Johnny Numbi, on cite même les directeurs de mémoire, ingénieur Bazolana, professeur électronicien, le grand ingénieur civil, Malanda Lakalombo, professeur de technologie, ingénieur Chimanga, Didier Lando. Ça, c'est John Numbi. Et puis je dis, attends, gâté. Numbi est recruté par Laurent Désiré Kabila. À partir de l'Angola, Kounana Kabinda. Numbi, comme militaire, a participé à la prise de Mwanda. Numbi a fait la guerre à Mwanda ici. Numbi a participé à Boma. Qui ont fait tomber Mwanda et Boma avec la guerre à libération? C'est Johnny Numbi. Tout l'ingaïté, tout l'ingaïté. C'est comme ça. Après l'arrivée du Afdel, Johnny Numbi est nommé chef de transmission du bataillon Zulu. Il est nommé commandant du bataillon Zulu à Kinshasa. Johnny Numbi est nommé directeur de transmission de FRDC. Ses collaborateurs, Eddie Kapend, Delphin Kayimbi, que Mugeleka a tué ici, c'était les collaborateurs de John Numbi. Rachidi et Mutombo, surnommé Mobile One. Mobile One, Gambé Wana, même que ce soit comment général, Mobile One, qui s'occupe des transmissions FRDC, c'était des collaborateurs de John Numbi. Quand on dit, Assane est le côté d'armée, quand il a commandé la 50e brigade. Et il a réorganisé les unités de garnison de Kinshasa. John Numbi a été commandant de 4e région militaire. Au Katanga, tout le monde sait qu'il y avait les désordres là-bas. C'est quand il arrive comme commandant région qui amène le calme là-bas. John Numbi a été nommé chef du centre de recherche et de la production pour la défense à l'époque. Et John Numbi a fabriqué des bombes pour la première fois dans ce pays. Ce centre-là, c'était sous le commandement de John Numbi qu'on a fabriqué des bombes et des lance-roquettes. Quand on dit qu'il n'a pas étudié, Johnny Numbi a fait l'académie militaire au Zimbabwe. Il a fait le collège de défense du Zimbabwe. Et il n'était pas seul. Vous pouvez aller citer l'amiral Liluanga. Batangana Liluanga Kuna. Il a été commandant des forces aériennes. Déjà en 2002. Regardez le Ndolo là. Ndolo, il y avait un désordre. Ndolo a été clôturé. Organisé quand Johnny Numbi est arrivé là-bas. On avait des officiers qui mettaient des vestes et des cravates sous John Numbi. Quand John Numbi a pris la police nationale congolaise, n'est-ce pas que l'ordre est rentré à Kinshasa là-bas? On dit de John Numbi, Asalanini, et John Numbi, Asalanini. L'opération Umoja Wetu, moi je me rappelle, j'étais là à Goma, à un moment donné, je m'étais enlevé. John Numbi nous avait resté chez lui, je n'oublierai jamais, il m'avait donné 12 000 dollars à cette époque-là, Tozara Sori, 10 ou 12 journalistes à Goma. C'est John Numbi ici. Mais pour chasser Laurent Kounda Batoiré avec son CNDP, mais c'est John Numbi, c'est lui le général qui a commandé tout ça. Quand on dit il n'a pas de galant, il n'a pas de haut fait, vous attendez quoi? John a fait la guerre. Pendant que John faisait la guerre, pendant que John faisait tout ça, et Ngeleka était où? En train de boire à Bruxelles. Ngeleka était en train de boire à Bruxelles. On peut être totalement pas en accord avec lui, mais lorsque Jean-Pierre Bemba, qui est votre allié aujourd'hui, il crée son désordre, il sort sa milice après les élections de 2006. Il prend Forestcom, il contrôle Forestcom et tout. Mais qui a mis en déroute Jean-Pierre Bemba et ses hommes? Mais c'est John Numbi. C'est les unités de John Numbi. On peut ne pas l'aimer. Mais on ne peut pas effacer ses mérites. Kabila lui-même, c'était un militaire. Kabila vous a montré que c'était un homme d'État. Kabila n'est pas allé chercher ses amis. Kabila n'est pas allé chercher ses amis. Quand il prend le pouvoir, il n'y avait pas cette armée. Kabila a construit cette armée. Tolingate, Tokobo Yangote. Et il s'était fait entourer quand même des personnes de certaines valeurs. Bino Bobimi Sabatuna Bino. Général Labino Zanan. Johnny Chibango. Vous allez comparer John Chibango avec John Numbi. Général Labino Zalinani. Bwamunda. Frank Bwamunda. Bwamunda est là comme commerçant. Général Labino Zanan. Ouais, certain général Chico. Bobimi Sapé, va général Labino. Bobimi ça. J'ai vu les gens me dire. Perrault. Mais on a comme l'impression que tu défends John Numbi. Je ne défends pas John Numbi, moi je ne suis pas un avocat de John Numbi. N'oublions pas que John Numbi c'était un assassin. John Numbi a tué Chebeya. Il a tué Chebeya et tué Bazan. Je ne peux pas moi accepter que un compatriote soit tué. Mettons Matatu Kita.
John Numbi, au moins quand Chebeya est décédé, Numbi a été suspendu. Quand on insulte Kabila, Numbi a été suspendu. Sous les procès de Chebeya, Numbi est allé se répondre à ce procès-là. Aucun, tout général de son état, il est allé répondre de ce côté. Bino Bobomi Chebeya, bon suspendre Nan. Onani. Bobomi Cheribe Okende, bon suspendre Nan. Comment? John Numbi, c'est un assassin. John Numbi, c'est un assassin. Je suis d'accord avec vous. Mais John Numbi, au moins dans cette histoire de Chebeya, que vous le vouliez ou pas, il a été entendu. John Numbi a été suspendu. Suspendu. Cheribe Okendazo Kotamalil Kuna. Cheribe Okendazo Kotamalil. Qui est suspendu? Qui est arrêté? Donnez-moi les procès de Cheribe Okend. Vous pouvez parler, vous, des assassinats, vous. Des assassins de vos assassins chez vous. C'est Ngeleka. Qui a tué Delphine Kayimbi? Qui a tué Delphine Kayimbi? Bouboumi Delphine Kayimbi? Bouboumi Delphine Kayimbi? Qui a tué le juge Yanni? Nana Boma juge Yanni. Vous voulez qu'on étale maintenant les assassinats? Nana Boma juge Yanni. Bouboumi Yanni? Bouboumi Olivier Mpunga on a la police. Olivier Mpunga, ce jeune homme-là a été tué ici à la police. Bouboumi Yé? Nana Boma Boma Defin Kalala? Moutou y a opposition. Qui a tué les gens les jours de la marche Yarosar Malunda? Énumérons les assassinats. Je ne suis pas pour les assassinats. Je veux que celui qui est impliqué dans un assassinat réponde de ses actes. Mais pendant que vous êtes un régime d'assassins, vous tuez les gens, vous vantez maintenant. Dites-nous qui a tué Cheribe Okende. Chebe est mort. Numbi a été suspendu. Numbi a comparu. Vous pouvez avoir ce que vous pouvez dire sur la justice, mais Numbi au moins a comparu. Dites-nous, vous là, qui a tué Cheribe Okende? Qui est suspendu? Nani a bomba Delphine Kayimbi? Bobomi mingi na 4 ans, Bobomi tôt. Bobomi tôt. Numbi ou pas Numbi, nous allons vous chasser. Numbi ou pas Numbi, nous allons vous chasser. Là, ils s'organisent pour débarquer certains candidats. Il a donné l'ordre qu'on débarque Moïse Katumbi. J'en parlerai lors de ma prochaine émission. Ils sont en train de mettre en place un système pour que Katumbi ne soit pas candidat. Évoquant le fait que Katumbi aurait déposé un diplôme, un certificat de nationalité à Lokuta. Au départ, Kamoulet avait refusé ça. Il a envoyé la responsabilité à Denis Kadima. Il a dit à Denis Kadima qu'il fallait qu'on bloque Katumbi dans CENI. Mais l'ordre a été donné. Là, ils sont en train de mettre en place des manœuvres pour écarter Katumbi. Ils vont déclarer Katumbi. Ils vont invalider la candidature de Moïse Katumbi. Pour que Ngeleka reste puissant. Ngeleka puisse continuer à détruire les pays comme il est en train de détruire. Boyo Kangonde dans le bas. John Numbi ou pas John Numbi. Ngeleka vit ses derniers moments au pouvoir. De gré ou de force, on va les chasser. Bon, finga Numbi Ndenge Bolingi. Je viens de vous donner un peu le CV de John Numbi. C'est pas à comparer avec le CV d'Ngeleka. On ne peut pas comparer. Ne comparons pas les comparables. Mes chers frères, je vais terminer l'émission comme j'ai toujours terminé. La République est dans la rue. Le pays va très mal. Notre avenir, notre devenir comme peuple, comme pays est en danger. Le fils de la malédiction nous conduit droit vers l'abîme. Les générations futures nous poseront la question de savoir ce que nous avons fait. Ne rien dire, ne rien faire, c'est être complice de cette situation-là. S'il nous reste encore un peu d'amour, juste un peu pour ce pays, nous devons nous lever pour chasser ce Félix Tshisekedi. Au cas contraire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Allez, ça a été pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avant la fin de la semaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez là. Restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous et à la prochaine.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.